Rencontre entre promus du secteur midi-pyrénéen de la Nationale 3 et les premières situations devaient être à l'actif des locaux murétains. D'abord, sur une très acrobatique tentative de Cédric Tubaza à la reprise d'un centre venu de la droite, avant que le feu follet Ougaroné ne sème une nouvelle fois le trouble, mais voit sa remise repoussée par la défense aveyronnaise. Une arrière-garde encore alertée plein axe cette fois, sur une frappe d'Hugo Clément Trio, avant que les visiteurs n'équilibrent quelque peu les occasions de but. La frappe à angle très fermé de Loïc Coupin étant repoussée par le montant de Fouette Babahala, et les deux équipes se séparant ainsi à la pause, à la suite d'une première période plutôt fermée. Un sentiment de frustration. Je pense que malgré la grosse occasion qu'ils ont au tout début de seconde mi-temps sur le contenu, sur la montée en puissance de notre équipe, on aurait dû concrétiser les situations, les occasions qu'on a eues. Pour en première, on a une situation litigieuse au milieu de seconde mi-temps et on a surtout beaucoup de présence devant le but et aujourd'hui c'est contré, c'est pas finalisé, ça va le venir. On a eu un début de saison qui était, dans une mise à niveau. Voilà. Ensuite, on a travaillé pour se mettre à niveau et là on commence à récolter un petit peu les fruits du travail qui est effectué. D'accord. Avec quand même aujourd'hui une ossature de joueurs qui s'entraînent avec le National 1. D'accord. Donc du coup, voilà, c'était intéressant de retrouver une cohésion d'équipe avec beaucoup de changements dans l'équipe qui était alignée contre Rodeo. On avance, hein, je vous dis, on en a pris 4 à l'aise au premier match, on en prend 3 contre Mende, on en a pris 2 à Bagnac, on en prend 1 contre Rodeo, aujourd'hui on n'en prend pas ici, on sait quand même que c'est quand même une terre difficile. Donc on est satisfait sur l'aspect défensif. Maintenant je pense que si on avait été un peu plus en réussite et dans une meilleure spirale, je pense qu'on aurait pu finir sur 0-1. Sûrement la plus grosse occasion du match, une récupération haute, puis de service impeccable d'Axel Rivard, malheureusement maladroitement exploité par Thibaut Vergne. Mais Muret passera lui aussi près de la correctionnelle, Bala Fofana manquant de justesse dans son dernier geste face au portier adverse. Et on en restera là, malgré une ultime opportunité murétaine, la pointe du pied d'Ismaël Srifi manquant de très peu de punir ses anciens partenaires de club. Bah, c'est un jeu, on a beaucoup de progrès à faire. On est surtout dans le jeu de possession. Ouais. Voilà, à la récupération du ballon, on perdait trop vite. Donc c'était compliqué pour construire nos actions. On ne prend pas de but déjà, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas pris de but. Ouais, ouais. À terme, on a fait 0-0, aujourd'hui 0-0. Donc défensivement, ça prouve que l'équipe dans son ensemble défend bien. Mm-hmm. Voilà. À nous trouver les solutions pour marquer ce but, pour nous faire gagner ce premier match. Oui. Oui, un premier déclic. On sait très bien qu'aujourd'hui, les matchs nuls, ça ne suffit pas au niveau du classement. On n'avance pas trop, donc on sait qu'une victoire nous ferait du bien pour avancer. C'est plus facile pour travailler la semaine. Bien sûr, bien sûr.